une rupture amoureuse N, et pas synonyme de guerre ou des animosités. En effet, il est possible de se séparer sans pour autant se détester, surtout quand il y a un ou plusieurs enfants en jeu. C'est, est-elle, histoire de Cecilia Clara et Arthur Junio, qui ont gardé de bons rapports après leur rupture. Après une dizaine d'années de relation, Cecilia Clara et Arthur Junio ont décidé de se séparer et de suivre chacun son chemin. Ils ont toujours été très pudiques sur leur relation, ce qui justifie que elle, origine exacte de leur rupture reste inconnue du grand public. De leur amour, et ne leur fils unique, Célestin, désormais âgé de 8 ans. Arthur a refait sa vie avec elle, actrice Flavie Pin. Ils se sont mariés en secret le 25 juin 2022. De nombreux invités de prestige ont assisté à leur célébration nuptiale. Ils ont permis aux internautes de découvrir quelques images de cette journée de joie, meubles paragraphes, une fanfare, des arbres de cordes guirlandes et bien des autres animations diverses. Retour sur son ancien couple avec Cecilia Clara. Vous découvrirez également quelques details de sa cérémonie de mariage. Portrait d'Arthur Junio. Source. Getty Images. Relations procédantes. Hélène, et pas rare que Cecilia Clara se confie dans les médias. En mai 2021, elle accorde une interview au magazine Non Stop People dans lequel elle et confie sur sa procédente relation avec Arthur Junio. Pour indication, leur histoire des amours a débuté en 2006. Après plusieurs années en couple, ils se sont pacsés en 2013, et la mi-man, ils ont célébré la naissance de leur fils, Célestin. En 2015, ils ont annoncé à la surprise générale leur décision de se séparer. Malgré de multiples tentatives, les médias n'ont pas pu découvrir l'origine de leur rupture. Certaines rumeurs en suggèrent que les parents de Célestin ont pris la décision commune de se séparer et de suivre chacun son chemin. Evelyne Thomas demande à son invité si la célébrité ne serait pas la cause de cette séparation. La concerne lui a ainsi répondu, paragraphe non, parce que c'est, et notre meilleur. La vie privée, c'est, et la vie privée, Hélène, il n'y a pas de difference, paragraphe. Arthur Junio et Cecilia Clara. Getty Images. Après leur rupture, les deux anciens tourterons gardent de bons rapports pour le bien-être de leur fils. Paragraphe. On s'entend très bien et on a refait nos vies. On a vécu une très grande histoire d'amoureux. On a été tous les deux suffisamment intelligents pour faire en sorte qu'elle se termine bien. Paragraphe. Déclarait la chanteuse à ICI Paris. Arthur Junio adore son fils, et il ne veut surtout pas que celui-ci vive le même cauchemar que lui. Fait. Arthur est le fils du célèbre Gérard Junio. Le dernier et se part de sa compagne, la costumier Cécile Magnan, Arthur en a beaucoup souffert. La situation était tellement pénible qu'il entre en conflit avec son père. Avril 2017, Gérard Junio était confié sur sa relation avec son fils en disant, paragraphe, quand Arthur était petit, c'est, était compliqué, voire conflictuel sans doute parce que je me suis séparé de sa mère, paragraphe. Heureusement, le temps a fait son effet, et les deux hommes ont assaini leur relation comme elle, a révélé elle, acteur, paragraphe au jour, oui, on a une complicité très forte que je haine, aider, ailleurs jamais eu avec mon propre père, paragraphe. Me dit Arthur Junio. Source. Getty Images. On comprend mieux pourquoi Arthur Junio a voulu préserver son fils. Il peut être fier de sa décision, surtout qu'il entretient une relation fusionnelle avec Célestin.
janvier 2022, le comédien reconnaissait que, il ne serait pas contre elle, id que son fils suive ses traces. Poids, le bonheur de Céleste impasse au premier plan, et son père souhaite que, il grandisse, paragraphe S, amuse comme un enfant, paragraphe. Il souhaite transmettre ses valeurs à son fils, par des gestes simples, mais aussi à travers son travail. Paragraphe dans les droits d'auteur, œuvre qu'on écrit, qu'on crie, on raconte des choses aux gens qu'on aime. J'espère qu'à travers mon travail, il grandira le plus heureux possible, a-t-il conclu. Nouvel amour et le joyeux mariage. Arthur Junior a refait sa vie et a trouvé le bonheur dans les bras de Flavie Pine. Ils ont fait le choix de protéger leur intimité, et c'est, et la raison pour laquelle la date et le lieu de leur rencontre sont inconnus du grand public. Toutefois, ils semblent très heureux. Leurs fans peuvent d'ailleurs voir leurs photos postées sur les réseaux sociaux. Junio et Flavie Pune ont décidé de concrétiser leur amour et de se dire, paragraphe oui, paragraphe. La cérémonie nuptiale S est tenue le 25 juin 2022 à la mairie de Pont-de-Barré, située en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mariage civil S est déroulé aux alentours de 16h, et les heureux maris ont été assistés par de prestigieux invités parmi lesquels le réalisateur Clément Michel, les comédiens Charlie Dupont, Tania Garbarski et Ambroise Michel. La cérémonie à la mairie S est déroulée dans une grande discrétion. Les invités ont donné quelques details de ce qui est et passe. Les deux futurs maris ont débarqué dans un bateau pneumatique tracte paragraphe une jib à Le Dauphine. Le média poste quelques clichés de ce mariage. Les invités ont également partagé certains moments de cette cérémonie en postant des photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Michel a par exemple posté sur son compte Instagram un cliché des maris avec le commentaire « paragraphe vive les maris ». Paragraphe. Les jeunes maris ont également pu compter sur la présence de leurs familles respectives. Gérard Junior était bel et bien présente, veux-tu un costume et des lunettes de soleil. Célestin, le fils d'Arthur Junior, était également de la fête. Les nombreux sourires échangés par les amoureux durant la cérémonie sont des signes révélateurs de leur complicité. Elle, amour est au rendez-vous et nous ne pouvons qu'être heureux pour les nouveaux maris. Félicitations aux mariés que du bonheur. Lire aussi, Gérard Junior. Zoom sur sa relation avec son fils Arthur. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google.